et d'animosité exacerbée. Les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande « Mais quel est donc votre secret ?» De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Djamniado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoignent de votre attachement viscéral
aux élégantes traditions républicaines, issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhare Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose « Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. » Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses, entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ses voeux de succès
et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste.